Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Lorenzo, j'espère que vous allez bien. On reprend la suite du Let's Play, et oui, Tony Stark a-t-il raison ou non? C'est maintenant qu'on va le savoir. Hop! Attends, regardez, petite bouboule, moi j'en ai besoin pour améliorer les cartes et faire des decks plus puissants. Voilà. Los Diablos. Attention, il y en a donc 5 héros. Ça va être le gros combat. C'est parti. Bon, je suis conscient que vous n'avez pas l'habitude de la méthode scientifique. Alors inspirez et imprégnez-vous de tout ça. Je peux vous aider à comprendre les détails compliqués. Vous voulez détruire une page indestructible avec un pistolet laser géant. Un pistolet laser géant gamma. Mais tu ne peux pas faire exploser le parchemin de pouvoir avec de l'énergie gamma. C'est impossible. Il n'a pas tort. Écoutez, vous et votre école de sorciers avez eu votre chance. Maintenant, c'est mon tour. Et celui de Ward. Les recherches de ton père. Papa ne voulait pas utiliser l'énergie gamma comme une arme. Il travaillait à la surcharger en une source d'énergie quasiment illimitée. Je devrais remercier Bruce de m'avoir permis de comprendre ça. Là où ça coince, c'est que l'énergie gamma a un seuil. Si on la pousse un peu trop, elle explose, super fort. Ça, c'est Los Diablos. C'est là-bas que Hulk a vu le jour. Et c'est le dernier endroit où quelqu'un a testé les théories de mon père. Aujourd'hui, toute la zone est encore saturée de cette même énergie modifiée. Si je parviens à la canaliser dans mon accélérateur, eh bien, cette page chargée d'énergie gamma... Quoi? Elle explosera? Super fort? Méga fort. Il va nous falloir une immense quantité d'énergie. Et pas seulement gamma. Hé, les garçons perdus! Oui, les filles. En piste, on a besoin de vous. Dent de sabre est toujours dans le coin. Les petits n'iront nulle part sans moi. Excellente idée. Ça fera plus d'applaudissements quand j'empêcherai encore l'apocalypse. Voilà, du travail d'équipe, ça défonce, hein. Et ben voilà, l'épisode commence fort. Et ben comme d'habitude, hein, décidément, ça balance. Il y a des moments calmes, vous préparez votre équipe. Et après, les moments héroïques, c'est tout ce qu'on demande, en fait, de ce genre d'univers de Marvel. Voilà, les deux équipes qui vont faire face à leur ennemi. Los Diablos, nous voilà. Ça va faire mal. Normalement, un gros boss nous attend. Complètement délirant, non ? C'est ça le meilleur. Oh, ils nous attendent tous, on n'est même pas suivis. On est prêt? Y a pas de plan, on défonce tout. Sur le plan ridicule de Tony. Je garde un œil sur Hydra. Ton enthousiasme est contagieux, Sarah. C'est bon, je peux donner le feu vert? Tu peux? D'ailleurs, Robby et Tony sont déjà en place. Bonne chance. Nous en aurons tous besoin. C'est parti, le cauchemar. Ça reprend, ils insistent avec. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ça. Rien. Une immense étendue de rien. Rien, c'est bien. Tu peux plus compter sur l'abbaye pour vous dissimuler là-bas chez toi. Alors reste à bonne distance jusqu'à ce qu'on soit prêt. On est prêt. Il suffit d'un tir pour que mon canon gamma draine l'énergie gamma ambiante de toute la vallée. Ça veut dire qu'on n'aura pas le droit à un deuxième essai. C'est un one shot. Ah alors. Ne t'en fais pas pour ça. Il a mis tiré ici et tout, mais c'est un fada. De loin, l'un des pires plans auxquels j'ai participé. Et j'ai travaillé avec Deadpool. C'est violent, Deadpool. Il ne pourra pas toujours cacher personnage en DLC dans le jeu, d'ailleurs. La moindre chance de le délester de ce fardeau. En parlant de ça... Hé, Flamme McQueen, qu'est-ce que je viens de dire? Stark, allumez-moi ce pistolet laser. Quoi? Stark, des dizaines de cibles approchent de votre position. C'est pas Robby. Non. Oh là. J'active les connecteurs gamma tout de suite.
combien de temps il vous faut? J'en sais rien du tout, je te rappelle que j'ai inventé cet appareil hier. Alors faites ce qu'il faut, on va tenir la position. Stark, tu es trop malin pour ton propre bien. Ignorez les autres et suivez la page. Il est temps pour moi de rentrer. Il va passer en Hulk ou pas? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il peut le devenir dans cette forme ou pas? Et oui, bon, c'est de la survie. Protéger le dispositif, éliminer tous les ennemis avant qu'ils ne détruisent le dispositif. D'accord, on connaît le truc. C'est du Dungeon Defender. C'est fantastique. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour leur lancer quelques rayons. Bien sûr, aucun problème. Je sais avec vous, lequel d'entre vous s'occupera de démarrer cet accélérateur pour descendre cette chose? Vous marquez un point. Protégez-t-il? Oui, je sais. Cette position aussi longtemps qu'il le faut. Oh là là. Faites-moi confiance, je renvoie la chandelle. D'accord. Ok, alors nous avons lui qui est très dangereux. Aïe aïe aïe, c'est compliqué ça. Il nous faudrait une grosse dose d'héroïsme, mais je ne l'ai pas. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Ça n'était pas rapide. C'est plus que suffisant. Joli. Aïe aïe aïe. Tout y tourne. Une ami bouleversement, hein, mince. Bien. Allez, on double les gains. Il va retaper, hein. Oh, l'escroc. Il s'entretue. Non, il va se doubler. Oh, ça se passe bien, les gars, ça se passe bien. Vous êtes dans une impasse. Allez, ah, il est très rapide, hein. Vous savez comme il est. Par contre, lui, je n'ai pas pu le tuer. L'autre, oui, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Personne ne partira d'ici sans la permission de Mère. Maintenant. Aïe. Ça va, 20 de dégâts. Ah, les animations sont tellement belles dans ce jeu. C'est tellement un plaisir. Il y a de la stratégie, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Je commence à en avoir vraiment assez. Attends, par contre, on a un souci. Hein. Mère me trouvera un super autre partenaire. Tu devrais le savoir depuis le temps, Logan. J'en ai aussi marre. Bien d'accord. Allez, Logan. T'inquiète, tu as bien géré Logan, il est très très performant ce perso aussi. Je
c'est parti. Alors, attends. On va créer un portail. Les hostiles. Plus dangereuse que jamais. C'est fini, oui. On a un point héroïque. Vous avez tenté votre chance, mais ce n'était pas du coup de mer. Les renforts arrivent, bien sûr. Il va falloir attaquer dans le sabre, ça serait bien. Ah, c'est qui qui a la nouvelle attaque? Comment ça se passe de votre côté, Stark? Oh, que c'est bon. Je me rapproche. Continuez de vous battre. Comment est-ce qu'on peut éviter quand on est en l'air? Je t'expliquerai plus tard. On gagne l'action. Boost d'attaque. Frénésie, bien entendu. Il cogne. Oh, la haine. Et là, on va jouer. Ça, ça va faire mal. Mince, une action, il faudrait une attaque double. Comment je pourrais faire? Attends, j'ai encore une repioche créée. Allez, vas-y, 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 donne-moi un truc bien. C'est quoi ça? Oui! Oui, tout à fait! Vous avez eu une chance de vous enfuir. Entendez mon appel. C'est en vrac. On termine le tour? Je reviendrai toujours. Mère a tout prévu. Ah mince, lui il attaque aussi, ah ouais c'est compliqué hein. Faudrait que j'arrive à vite éliminer à la limite, je pense hein. Lilith semble vraiment faire confiance à votre ennemi juré, Logan. Ok. Ouais, elle sait vraiment comment les choisir. T'as l'air amer. Si seulement mère t'avait choisi, pas vrai Logan? Laisse volontiers ça aux pigeons dans ton genre. Tout à fait. Ça, c'était quelque chose. Ah là là, étourdissement, étourdissement. Cherche que ça. Désolé. Il est temps de faire des dégâts. Quoique si, là, c'était très bien. Je suis prêt. Ah, Magic. Eh ouais, il me manquait l'étourdissement et c'est son tour. Ne sortez pas le diable. Je crois qu'on vous a laissé assez de temps comme ça, Mouriette. Je commence à en avoir ma dose. Je me ferai un grand plaisir de mettre un terme à tes souffrances. Ouya! Ça aurait pu être bien pire. Alors, on va jouer le soin. Qui c'est qui est le plus blessé? Logan. Marchez dans la lumière. C'est de la bonne. Ha ha ha.
On finit le tour. Moi, je me bonifie comme un bon vin. J'en dirai pas de même pour toi, Tudor. Ça arrache. On a réussi! Oh là là, on est allé tellement vite en plus! T'as rien pigé, Nabo! La magie coule dans mes veines maintenant! Ça ne m'a pas échappé! Logan! Attendez pas. Allez, plan B. Un nouveau pacte, Blaze? Lilith t'offre quoi? Une bécane de fonction? Pas tout à fait. Un billet de retour. Essayez d'empêcher ce chaos, tu sais. Quoi? Mais vous avez tous choisi la méthode dure. T'avais raison, petit. Je suis un lâche. J'ai cherché à fuir cet instant toute ma vie. Si le monde veut vraiment battre ce truc, il aura besoin de quelqu'un de fort. Comme toi. Attendez! Non! 3. 2. 1. Je serai bientôt là, Roxanne. Ça va envoyer. Oh là là, c'est la classe. Hein. Ouais, ouais, il s'est sacrifié. Oh, ça va faire mal. Hein. Le titan endormi s'est réveillé. Le héros d'Octon. C'est Hulk. Je viens de lui offrir une mise à jour. Oh là 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 là. Ah, ça va être un massacre. Oh là 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 là. Avant de s'amuser à désigner un coupable, je pense qu'il est important de reconnaître que ma théorie aurait fonctionné. Pas se cacher du docteur Banner. Nouveau, ces cornes. Ce n'est pas tout, Tony. Je perçois enfin mon véritable potentiel à travers les yeux de mer. Ça aussi, c'est bien. Ah, il parle, ouais. Il fait pas... Il fait des phrases. J'ai pas de refus. Votre destin est fait. Vous savez que ça ne suffira pas. Subit des dégâts accrus de la part des autres héros. Changer régulièrement d'attaquant afin d'attacher... Ok, je comprends. Allez, on serre les dents. Ok. Bien décidé à me courir après. Comment j'aurais pu savoir que Bruce se jetterait dans le faisceau? Il nous fallait un moyen de détruire ce parchemin. Quoi qu'on fasse, on aurait eu des regrets. Vous voyez? Il a compris. 4, hein? Alors attends, qui c'est qui donne les cartes boost? Toi?
toi. Allons-y. On y va. Allez. Allez, c'est bien, Tony. Je peux m'appeler Captain, moi aussi. Ouais, local. On fait le tour. Courez à votre père. On va faire notre maximum. Allez, Tony. Aïe, aïe, aïe. Ok. Est-ce qu'il a des cartes avec lui ou pas? On dirait que non. Je dois sans doute te remercier de m'avoir aidé à libérer tout mon potentiel, Tony. Tu n'imagines pas à quel point c'était frustrant. Je crois que je préférais quand ton grand pote utilisait seulement des monosyllabes. Je suis sûr que ça t'arrangeait de me rabaisser. Ne fais pas ta tête de mule avec moi, Rose. C'est Lily qui fait ça. Les serviteurs de Lilith tombent à nouveau. On va essayer de faire des dégâts, mais... Ouais, pourquoi pas. Allez. Brave erreur. Vous allez le regretter. Donne-moi des cartes de dégâts plutôt. Soin, c'est pas ce que je demandais. Oui. N'oubliez pas ce jour. Il n'est qu'un aperçu entre amis. Le pacte. Je redoutais les fidèles de l'île. Aujourd'hui, je leur instille la même terreur. Et là, j'espère qu'il va plus se relever, parce que là, c'est difficile, hein. J'attends. Ça ne nous mène à rien. Autant lancer des cure-dents à ce stade. Comment est-ce que vous avez réussi à le contrôler par le passé? Contrôler est un bien grand mot. Disons plutôt qu'on a la... Ça ne me rassure pas. Le ghost. Sécurité de mon parking. Soin plus attaque. S'il fait l'attaque de zone, ça va faire mal. C'est toujours... Ça s'appelle se prendre la caillasse. Allez, résiste. On a tenu, les gars. Ça va faire mal, oh les pauvres. Quelle puissance. C'est comme se battre contre un dieu. On en est déjà venu à bout, on peut recommencer. Il faut juste... Donner toutes ces années
te faire passer pour mon égal. J'aurais pu t'écrabouiller si facilement. Kabuto ! Il nous laisse partir. Pas sûr de vouloir connaître la raison. Hulk va apporter la page à Lilith, comme l'annonçait la prophétie. Elle l'avait prévue depuis le début. Attends, tu es en train de dire que c'est elle qui a orchestré tout ça ? Ma mère obtient toujours ce qu'elle désire. Avec le Darkhold dans sa possession, il ne lui manque plus qu'une seule chose. Moi. On est mené, hein. C'est difficile. Hein. On peut pas dire qu'on fait de grandes réussites. Hein. Oh, c'est compliqué. Hein. Et c'était obligé. Et c'était obligé. Ben voilà, on l'a eu, hein, la transformation de Hulk. Depuis le début, je me demandais s'il allait le faire. Ben, il a attendu le moment le plus opportun. Hein. Le seul problème, maintenant que Magic a vaincu Dent de Sabre, c'est que j'ai plus envie de le fumer. Je savais qu'un jour il s'attaquerait à plus fort que lui. Mais j'ai toujours cru que son bourreau, ce serait moi. Magic est trop jeune pour porter un fardeau pareil. Je suis d'accord. Mais personne ne peut dire à Magic ce qu'elle doit faire. Elle a la tête aussi dure que de l'acier. C'est typique des Rasputin. On sait que les temps sont durs quand les plus jeunes doivent faire des choix terribles. Je m'inquiète pour la gamine. Dessouder quelqu'un, même s'il le mérite, ça nous change. On peut pas se permettre de laisser l'un des nôtres refaire une banneur. Le combat offre rarement des décisions faciles, et personne n'en ressort indemne. Je commence à m'attacher à Illyana, et je voudrais vraiment lui éviter de finir comme moi. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'une autre jubilée. Même si elle aurait pu nous être utile contre Hulk. La situation avec Hulk nous inquiète tous. J'ai survécu à 2 ou 3 accrochages avec le monstre vert. Mais je n'ai survécu que pour 2 raisons. Mon pouvoir de guérison et l'impression que Banner s'est forcé de retenir cette bête sanguinaire. Sauf que j'ai plus cette impression, tu vois. Le docteur Banner peut encore devenir un allié. Ta mère s'est montrée rusée en retournant le petit Banner contre nous. Elle contrôle l'unique faiblesse de Hulk. La part de lui qui était dans notre camp. Ce qui complique beaucoup, beaucoup les choses. Hein. Bon, je pense qu'on va leur donner une bonne nuit de sommeil ou pas. Ah, attendez, il y a... Ça suffit, Tony. On a fait ce qu'on a pu et ça n'a pas marché. Il est temps d'admettre que ça nous dépasse. On devait intervenir et c'est précisément ce que j'ai fait. Ok, mon plan n'a pas fonctionné. C'est pas grave, j'en trouverai un autre. Et si ça foire, je recommencerai encore et encore, jusqu'à ce que je gagne. Pardon ? Tu m'as compris. J'ai très bien compris, oui. Écoute les conseils de tes alliés pour une fois. Passe la main, Tony. Je sais que je peux tout arranger. Passe la main, je te dis, avant de nous entraîner dans ta chute. Ça va avoir... ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, Hunter ? Tu me fais confiance, pas vrai ? Mais je pense que tu dois faire confiance aux autres. Qu'est-ce que tu en penses, chef ? Est-ce que Rogers a raison ? Est-ce qu'il faut exclure notre meilleur joueur à la première erreur ? À moins que toi, tu aies de la jugeote et la conviction que je peux nous sortir d'affaire. Écoutons ce que Steve a à dire. Je pense que tu te fais des illusions. Le travail d'équipe, ce n'est pas toujours fantastique. Il va falloir. Mais c'est toi le capitaine de ce navire. Débattez pendant des heures si ça vous chante. Si vous voulez une solution concrète, ça va vous trouver. Le problème est que l'adversaire grandit. Et on est de plus en plus embêté. Je n'hésitera pas à nous réduire en bouillie. Avoir besoin de nos meilleures armures. C'est comme ça, mais Wolverine a-t-il vraiment...
vraiment besoin de garder tout cet adamantium ? Hop ! Allez ! La partie 3, c'est parti. Je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut vraiment qu'on se bouge. Je comprends pas. Je croyais que les Avengers c'était des super-héros de la position de la planète. Je m'attendais à mieux de leur part. C'est quand même assez fort là-bas. Je voudrais le savoir, Robby. Nos héros finissent toujours par nous décevoir. J'imagine que t'as entendu notre conversation. En partie. Soyons réalistes. L'apocalypse qui nous menace est un peu trop surnaturel et gothique pour les Avengers. Alors il est temps pour eux de laisser la place aux jeunes. Ben, ils t'ont laissé déjà faire, hein. Attention, hein, c'est pas nouveau, hein. Qu'en dit Peter ? Ah, c'est vrai. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et là, c'est une responsabilité qu'on est prêt à assumer. Tu peux me croire. Mmh. Alors, tu as un plan ? Tu veux dire un plan pour empêcher Kton de transformer le monde en buffet à volonté cosmique ? On va dire qu'il reste quelques détails à peaufiner, mais ça va le faire. En attendant qu'on soit sûr de ce qu'on fait, garde ça pour toi. Je veux pas stresser les Avengers, ils ont déjà leur dose. Compris. Super, à plus tard. Ok, plan farfelu en approche. Merci à tous d'être venus. Je sais qu'on est débordés en ce moment. On te soutient, Robby. On sait à quel point tout cela compte pour toi. Mais si on pouvait se dépêcher... Je sais ce que vous vous dites. Pour vous, Blaze était un enfoiré de première. Waouh ! Je croyais qu'il n'y avait que le professeur Xavier qui savait lire dans les pensées. Ferme-la. Revenons-en à Blaze. Ok, il n'était pas sympa. Mais on vit dans un monde cruel. Parfois, il faut être sans pitié pour arriver à ses fins. Et il faut reconnaître qu'il était plutôt efficace. Les mioches, retenez bien la leçon. La vie ne sera pas toujours aussi clémente avec vous. Merci, Logan. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Pour être honnête, je savais pas trop ce que j'allais dire. Parce que, pour moi, Blaze était un peu comme un dieu sur Terre. Et je l'ai rencontré. On peut dire qu'il a bien chuté dans mon estime. Je crois même que je me suis mis à le haïr. Jusqu'à ce qu'il donne sa vie pour me sauver. Johnny était peut-être pas parfait, mais... En fin de compte, il était bien des nôtres. Et je suis content de l'avoir connu. À Johnny Blaze. À Johnny Blaze. À Johnny Blaze. À Johnny Blaze. Johnny Blaze. C'est bon, on peut y aller maintenant. Allez, mission suivante, c'est parti. C'était compliqué quand même, hein. On perd beaucoup trop de héros, on est dans une situation où on progresse très très peu, et c'est pas facile, hein. L'histoire de toute façon est très très bien écrite, vraiment, il y a plein de suspense qui est mis autour, l'intrigue est bonne, on a envie de suivre la suite, et c'est vraiment clairement un excellent Marvel, il n'y a rien à dire. Eh, on perd des héros au fur et à mesure, même si on n'est pas totalement sûr que Johnny Blaze s'est bien fait tuer et vous sacrifier. Même si, là, franchement, je pense que quand même, oui. Ah, on a une belle amélioration, là. Une fonderie niveau 2. Une possibilité intrigante. Oh, des noyaux gamma. Maintenant, on commence à obtenir uniquement de l'épique. Ah, on l'avait pas non plus. À plus.
Donc ouais, l'histoire a une bonne intrigue, le jeu est bien soutenu, bien héroïque. C'est un excellent Marvel, vraiment. Il reprend les codes à l'ancienne. Et qu'est-ce que c'est agréable, en fait. Stark m'a convaincu de mettre quelques gouttes de sa nouvelle boisson énergétique Stark Drive dans mon café. Du Stark Drive ? D'accord, ça a le goût de vieille chaussette trempée dans le café. Mais au moins ça réveille. Et je vais en avoir besoin. Si on part en transi, notre mission peut aussi bien durer 24 heures que 24 jours. On n'est jamais sûr de rien là-bas. On n'aime pas perdre notre temps ici. On partira en transi sans attendre pour affronter Hydra, et la victoire sera à nous. Oh, j'aime beaucoup ton enthousiasme. J'ai mieux à faire que de partir en voyage. J'aime pas trimballer ma brosse à dents, et mon transien est vraiment nul. C'est logique que Lilith se rende là-bas. Qu'elle retourne d'où elle vient, j'entends. Là d'où proviennent ses pouvoirs. Si elle espère être pépère chez elle, elle se fourre le doigt dans l'œil. C'est fini l'époque où les chevaliers du Wundagor se promenaient dans le coin. Crâne Rouge et Hydra ont ravagé la transie à tous les niveaux. Les transiens sont des gens bien, et les paysages sont magnifiques. Il n'est pas trop tard pour les sauver de la destruction qui les menace. Écraser Hydra et en profiter pour planter des arbres, ça c'est un plan qui me plaît. On dirait que les autres se rassemblent dans la cellule de crise. Ouais, je vais y aller moi aussi. Le temps de finir ce truc immonde. Il faudra que je demande à Stark si on peut avoir de nouveaux arômes. Eh ben c'est parti, la réunion est prête. Jamais entendu parler. Tu vas découvrir ça tout de suite. Mission maintenant, on envoie. Alors grosse équipe encore, direct dans cet épisode, ça recommence. Je pense qu'autrefois, la fière transie était le siège du pouvoir des héroïques chevaliers du Wundagor. Maintenant, c'est devenu le club d'Hydra. Ils sont en train de rameuter des renforts de partout. Mais dans quel objectif exactement? Le mont Wundagor. Cet endroit a toujours eu quelque chose de malsain aussi loin que remonte ma mémoire. Quelque chose dans ce style. Malsain dans la moyenne. Maintenant, nous savons où frapper. Allons rendre la politesse à son Altesse des démons. Non? Ok. On commet une petite erreur et... Et on livre la dernière page du Darkhold à ma mère. Et on fait revenir Hulk. Et techniquement, c'est la même erreur. Bon, je vous laisse la première ligne. Ça me va. J'ai une idée. Que diriez-vous de nous laisser gérer ça? Le Saint des Saints, l'étoile de la mort de Tony, Wanda? Réfléchissez. Chaque fois qu'on vous écoute, il y a une nouvelle catastrophe qui se produit. Hunter, t'es pas notre nounou. Tu es notre chef. Et nous sommes les Midnight Suns. Une vraie famille. La famille passe avant tout. Donc cette fois... On couvrira tes arrières. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? On va souffrir. Oh, cette équipe est compliquée à jouer. Celle-là va beaucoup mieux se passer, par contre. 100% Midnight Sun, hein. Aucun Avenger dans la team. C'est terrible, quand même, ça, cette scène. On y va, on va essayer de faire de notre mieux. Bon, franchement, je suis sceptique, mais... On va voir où nous amène l'Antilatrix, c'est maintenant. Il a planté un pieu dans le cœur. Hulk n'est pas un vampire. C'est un tas de muscles boostés au rayon gamma. Et qui est sérieusement dopé au pouvoir de Lilith. Autrement dit, on est foutu. Bon, je sais bien que Lilith est une déesse démoniaque avec un Hulk méga vénère à ses côtés. N'oublie pas qu'elle a aussi le parchemin de pouvoir. Ça la rend encore plus puissante. Mais on a quelque chose qu'elle n'a pas. Des idées noires? Mais non, idiot, on a l'amitié. Ah, la force de l'amitié. Ça part mal. Nous sommes les Midnight Suns. Et qu'est-ce qu'ils font, les Suns? On se relève. On peut le faire, les amis. Il faut qu'on ait confiance en nous si on veut y arriver. Blade, Robbie, vous savez quoi faire, pas vrai? On se retrouve plus tard, Nico. Ne me décevez pas, les gars. N'oubliez pas que la survie du monde entier dépend de nous. Ouais, pas de pression. C'est que la fin du monde. Sauf si on réussit. À votre avis, on a réussi? Réponse? Tout de suite! Je vais surveiller d'ici les mouvements des troupes. Vous aurez juste assez de temps pour attaquer le bâtiment et revenir. On fait quoi si l'endroit nous plaît, qu'on souhaite s'y installer? Faites attention à vous. Ce n'est pas en essayant d'imiter Tony Stark que vous réussirez à faire vos preuves. Vous allez pénétrer au cœur du pouvoir de Lilith. On le sait.
on va être extrêmement prudent. Oui, la prudence est de mise. Et on se lance. Alors là, combat épique, peut-être et même héroïque. Est-ce qu'on va réussir enfin à prendre l'avantage, au moins un petit peu? Quoi? Pas de mucus d'aliens géantes, barrière d'énergie démonique, ni de gros monstres verts? Alors ils sont cuits. Ils ont mieux que ça. Cette rune. Le tombeau de Lilith. Il était là depuis tout ce temps. Wanda avait raison. Comme c'est souvent le cas. C'est Hulk. Okay. Un problème après l'autre. Midnight Suns, rassemblement. Ou un truc du genre. Oui, Midnight Suns, rassemblement ou un truc du genre. Pourquoi pas? On dirait que Lilith a envoyé tous les crétins d'Hydra qu'elle a pu trouver pour garder l'entrée. Ouais. Entre cette lumière qui fout les jetons et le pic démoniaque en train de hurler, je pense qu'on commence à manquer de temps. Ne laissons rien se mettre en travers de notre chemin. Trahi Hydra, hein? Non. Ah là 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 là. Plan B, non, on en a pas non plus, hein. Alors, hâte! Vas-y! Trop cool! Flige faiblesse! Qui est le résistant? Toi! Finissons-en ensemble! Allez! Voilà, 1000 attaques. Encore mieux que ce que je pensais. Écoute, ça se passe plutôt bien. Ça c'est quoi? Non, on va faire une attaque plutôt 26 avec faiblesse. Essayons ça. Voilà. Vous m'éliminez du nombre. Un ennemi ne peut égaler une force pareille. Et alors là, ça va être déferlante. Par contre, on a une sorcière avec dans le tas. C'est dangereux. Ouais, le sniper. Ils ont leurs meilleurs agents, hein, il faut avouer. C'est encore le meilleur moyen de survivre. Et la petite dernière, ah ouais, bien sûr. Ok, on va s'amuser maintenant. Dire que c'était jadis un endroit sacré avant que Lilith. Dommage qu'Hydra ait finalement élu domicile. Kton attend ce moment depuis une éternité. Je n'accorde pas à Hydra plus de mérite qu'il ne lui revient. Et tu as bien raison. Il est où l'invisible? Ah, il est dans son coin, bien sûr, caché, hein, c'est très important. C'est marrant, ça, vous croyez qu'on peut l'envoyer? 25%, c'est pas beaucoup, hein. Oui, on va avoir double portail qui sert à rien, toutes les deux en plus. Hop, les deux vont départir, hop là. Voilà, rapide. Ah, je pourrais pas tuer avec. Oh là là. Ça, c'était quelque chose. Ouais, c'est fébrile, hein, surtout. Cadeau pour vous. Bon, il a eu la faiblesse. Et voilà, plutôt. Je
qui les attire chez moi. Personne ne m'échappe. Aïe! Nous sommes des instruments de fabrication. Vachement. Oh la vache, elle en a pris tellement. Qu'est-ce que je peux inventer là? Elle a encaissé. Oh, on peut te faire des esquives aussi, peut-être, non? Je vous l'ai dit, le premier combat allait être compliqué. Je comprends toujours pas pourquoi ils continuent de se battre. Ça peut pas être que pour l'argent. Mais qu'est-ce que les mercenaires ont d'autre à y gagner? Nous savons toutes les deux ce que Lilith leur offre, Nico. Une fausse promesse d'éternité pour chaque esprit. Le moment est mal choisi pour faire de la poésie. Allez, regagne de la vie, ma belle. On a besoin de toi. Ah, c'est pas très fort. Ça, ah, ça c'est bien. Attends. De l'autre côté, qui c'est qui a ouvert le puits? C'est toi, non? Ouais. Il m'a conseillé de mentionner votre mère. Après, alors 9, là on est à 9, hein. Allez. Attention, ça va être rapide. La max. Allez. J'espère que ça va faire bien mal. La magie du sang est aussi puissante que dangereuse. On a vraiment, vraiment bien bossé là, c'est bien. Elle est forte, Nico. Votre fin est proche. Elle attaque encore. Je suis très rancunière. Tu as bien raison, rentre-lui dans le tas, vas-y. Mais vous attaquez trop, non? N'allez pas croire que je vais oublier ça. Elle a ouvert le portail, elle a une attaque derrière, c'est pénible. Hein. Allez Nico, tiens le choc. Non, 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 non. Eh pétard. On abandonne jamais nos ennemis. Pétard. On perd une attaque, tout pénible là. Alors attends. Là on peut faire un bon massacre. On veut pas interroger hein, en vrai, mais bon. Technique. Qui a besoin d'être soigné, enfin ben là. Nico. Allez Nico. Ah. C'est bon de se sentir soutenu. La prêtresse. Au revoir. Faible, même pour un agent d'Hydra. Ouais. Vous n'êtes rien face aux créatures que j'ai déjà croisées et tuées. C'est bon, vous avez terminé. Il y a deux pauvres de toutous. Attentieuse, mais un horrible lilin aurait été bien plus intéressant qu'Hydra. Et ça. C'est la grande classe. Hein. Nico, très très performante aussi. Hein.
Deux de prix et de coût, c'est cher. Propulsion, ça, ça va. Là. J'ai déjà vu ce genre de technique il y a des siècles. Mm-hmm. Et voilà le travail. Ah, on a réussi. C'était pas hyper compliqué non plus. C'est peut-être pas fini, hein. Ce l'être de ton espèce à pouvoir servir de catalyseur pour mon pouvoir, mon enfant. Liber Tenebris, Reversus Est Nobis. Ce ne sera plus très long. Ensemble, nous allons reforger le Darkhold et ramener... C'est terminé, ma vieille. Elle me touchera pas une deuxième fois. Mais j'ai fait tout cela pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour toi, mon enfant. Ignore-la. Elle a perdu le droit de t'appeler comme ça le jour où elle a vendu son âme à ce monde. La vérité sera très bientôt révélée, ma sœur. Même si Lilith concentre son attention sur ce livre, détruire sa barrière n'aura rien de facile. Peut-être. Mais la grotte, par contre... Midnight Suns... Désassemblement. Là, on va causer. Oh yeah! On va démolir les piliers, mon gars! Oh que oui, on va tout casser! Alors. Certes, ce n'est pas la solution la plus élégante. Mais faire s'écrouler le plafond pourra certainement les calmer. J'aurais dû percuter quelques-uns de ces piliers avec la Hellride! Dirais à Robby que t'as dit ça. Bon, attends, il manque un tout petit peu pour faire assez de dégâts. Mais on va leur mettre un saignement. Et ça, c'est beau. Il était temps. C'est toi, ce dont vous êtes capable. Il a pas pris le saignement? Pour quelle raison? Quelle est cette attaque obscure? Je me sens déjà plus fort. Aïe! Aïe! Il y a des ennemis que je suis en train de remarquer. C'est pas bon! Ah, c'est pas bon! Je réfléchis, hein. Impressionnant. Bon. Mes sœurs et moi serons bientôt récompensés. Ça va faire mal, ce combat. Préparez-vous, le spectacle arrive, c'est le show. Parce que là, vraiment, on va tomber sur que du coriace. Il va falloir être bon. Ah, il est là. Pouvez m'envoyer des encouragements, parce que là, ça va piquer, hein. Vous êtes en colère. Eh ouais, eh ouais. Ils sont où les cartes dans ce bourbier là? Parce que c'est vrai que c'est un problème technique. Oh, il y en a partout, ils vont se multiplier, ils vont créer des liens d'âme. Aïe aïe aïe. Aïe 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 les gars, mais c'est terrible en vrai. Hein. Massacre complet, hein. Ne gaspille pas ton énergie ici, mon enfant. Ce qui a été initié ne peut être détruit. Et ne le sera pas. Tu as le pouvoir d'arrêter ça.
Donne la carte. Dette de sang est due. Elle l'a pas donné. Ok. Cton renaîtra. Impossible de l'arrêter. Tu as une force indispensable. Dommage, ça a eu un tour, hein. On va passer un sale quart d'heure. De quelle année j'ai un saignement, moi ? Continue. Ça va être compliqué. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est un gros combat. Ils ont une très très bonne team remplie de choses dégueulasses. Qui manque là? Lui? À nous! Oui, on est plus à ça près, hein! Écoutez, là, je vous l'ai dit, c'est un enfer infernal! Infernal! Il va falloir être un fou furieux! Lâche pas! Férocité! Ma sœur, cela fait si longtemps! Ne prétends pas me connaître, démon. Nous ne sommes plus sœurs depuis des siècles. Attends. Attends. Triste de t'entendre dire ça. Mais il est encore temps pour toi de voir les choses à sa façon. Aucun membre des Midnight Suns ne rejoindra tes rangs maléfiques. Je peux te le promettre. Allez. Il est où l'autre ? Je comprends mieux pourquoi on t'appelle Hunter. Il en manque une là-bas. La fête est finie. Désintégration, allez ! Voilà, on a réussi ! Pilier. Il est où le pilier? C'est pas le pilier ça? C'est après? Ok, c'est compliqué, hein. Pourquoi les KO là, Hunter? Ah pétard, il y a encore un hydre. Oh là là, j'avais pas vu elle. Pas eu assez, on dirait. Lilith a peut-être trouvé le seul homme, ou monstre, capable de résister assez longtemps aux énergies maléfiques de ce livre pour le restaurer entièrement. Donne-moi des cartes, qu'est-ce que c'est que ça? Depuis le début de cette histoire. On va pas s'en sortir là. On sait tous les deux ce que c'est d'avoir un pouvoir convoité par les autres Blade. Peut-être, mais moi je déchire pas mes vêtements et je fais pas le bon quand. Je crois surtout qu'ils ont un gros complexe de deal. Je peux pas. On a un peu de chance. Vous avez la langue bien pendue. Propulsion en œuvre de la vie. Ah, on est mal barré. Faut que je fasse tirer des cartes à fond là. Pas le choix. Il y a trois piliers, non? Quatre? Trois. Alors déjà, on a une attaque à deux. Stark aurait dû atomiser cet endroit. Qu'est-ce qu'ils veulent? On sait tous qu'il a une bombe atomique quelque part. Donne-moi assez de problèmes comme ça avec lui. Je doute que cela le calme. Moi je dis qu'on le fait. On les vole tous.
gâcherai pas cette chance. Allez, pilier. Il va nous renvoyer du lourd ok, des chiens. Et lui. Oui, j'ai compris. Allez. On se soigne un peu. Il y a beaucoup de toutous, hein. Je déteste ce genre de... Ah, on va tomber KO. Il y a trop de chiens, il y en a trop. J'ai même pas le temps de souffrir. On a trois actions. Donc attendez, une. On met un petit précipice. Et on va essayer de placer un pieu ici. Ça c'est quand... Oh là 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 là. Ouais ouais. Bon. Cela me sera une grande aide. Votre... Ah, il a mis les yeux. Allez Blade, encaisse. C'est un super héros. Je n'ai pas réussi à les déstabiliser. Allez, boum. C'est parti. C'est toujours mieux que rien, j'imagine. Il y a beaucoup d'ennemis. Entendez mon appel. Enlève cette attaque. Donne-moi des attaques rapides. Top. Allez. Un dernier pilier se prépare. On peut gagner. On n'est pas loin. Allez. Lui, il a le dernier morceau. Et nous, on peut le fracasser. Ça commence. Tu pourrais en subir les conséquences, Blade. Blade le héros. Ça se passe bien. Il va prendre une déferlante d'attaque, les gars. Ça va piquer. Hein. Ça attaque dans tous les sens, ça bloque, ça passe. Ah, c'est nouveau ça, non? C'est pas, ça fait plus qu'un tour par tour. Je ne peux pas m'en débarrasser.
Et le dernier pilier. Vous y croyez, vous, qu'on les a arrêtés ? On est du sceptique, je suis là, c'est terrible. On s'est enfui, on n'a pas vérifié. Ils nous mettent pas longtemps le suspense. Voilà. Forcément. Là, c'est un vrai Marvel au bout d'un moment. Et elle a fini son... Elle a fini le maléfice. Et là, c'est la fin. on est foutu. Le Darkhold est actif. Regarde la télé. Ouais, dis ça à Sparky. C'est dans une république de Transir ravagée par la guerre que la mystérieuse structure va péter les plombs. Une sorte de temple antique et soudainement on a essayé d'empêcher. On a merdé, Robby. C'est bon, tu peux le dire. Peu importe qui a merdé. Le résultat, c'est qu'on est foutu. On est dans la dernière ligne droite. La prophétie se réalise quoi qu'on fasse, et c'est compliqué, hein. Bon, ben voilà, c'était prévisible. Ils ont voulu refaire que les Midnight Sun c'est mieux que les Avengers, ça s'est bien dé encore pire. Oh, c'est terrible. C'est un massacre, hein. Bon, à mon avis, là, il y a Lilith qui va nous parler, c'est d'office, hein. C'est officiel. Mon enfant, j'étais protégé, tout ça, c'est parti. Tu es allé trop loin, mère. Je peux t'en dire autant. Tu m'as laissée pour morte et enterrée sous cette montagne. Ce n'est pas une façon de traiter sa mère. C'est vrai. Mais attends, donc... Que voulais-tu que je fasse? Que je te laisse détruire le monde entier? Hulk avait raison. Tu as vraiment tendance à tout dramatiser. La vérité t'apparaîtra bien assez tôt. Le Darkhold est enfin complet. La prophétie touche à sa fin. Le seul Noctis arrive. Et lui aussi. Nous aurons tous un dernier rôle à jouer. Sauras-tu t'y préparer avant que le rideau se lève? Ce n'est pas moi qui ai l'air de lutter contre ma destinée. Qu'est-ce que tu me caches, mère?
Tant de questions et de sagacité. Tu me fais penser à lui, tu sais. Je croyais que nous ne pouvions pas parler de lui ici. Ne sois pas ridicule. Je ne parle pas de lui, mais de ton père. La ressemblance est beaucoup trop frappante. Tu ne m'avais encore jamais parlé de lui jusqu'à présent. Une prophétie millénaire est sur le point de s'accomplir. Pardonne-moi de me montrer un peu sentimentale. Parfois, je me demande si je pourrais amener son âme ici, pour lui permettre d'être à nouveau à mes côtés. À nos côtés. Pitié, non. Sa mort lui a évité de te voir te transformer en créature infâme. Je l'envie pour ça. Quoi ? Pas de répartie cinglante ? De promesses de retrouvailles sous l'œil glorieux du Sol Noctis ? Non, mon enfant. Pas cette fois. Ah là 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 là, on approche du dénouement quand même, hein. On sent que l'histoire... On va voir avec Lilith. Moi j'ai quand même encore des doutes. Pétard, ça s'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe ? Agatha ? Désolée de te déranger, trésor. Tu as un moment ? Ça, c'est la surprise ? Toujours. C'était toujours moi que tu venais voir quand tu avais besoin d'un conseil. Jamais Sarah. Je savais que je pouvais compter sur ta sagesse. Vraiment ? J'ai toujours eu l'impression de m'y prendre comme un manche à balai. D'ailleurs, tu savais que j'avais installé un siège sur mon balai dans les années 60 ? C'était très confortable. Mmh. Ah oui ? Tu l'as toujours avec toi ? J'aimerais bien voir ça. Je l'ai perdu à un festival de musique inoubliable. Une année vraiment folle. C'est une quête ? Quel dommage. Bon, qu'est-ce qui te tracasse ? Je ne sais pas comment le dire sans tomber dans le mélodrame, mais... Malgré tous nos efforts, la prophétie est en marche. Le retour de Kton semble inévitable. Et je ne peux rien faire pour aider les gens que j'aime. À part hanter une bibliothèque et organiser des visites guidées morbides. Agatha. Je devrais vous aider, Sarah et toi, à ressouder l'équipe. Je ne me suis jamais sentie aussi... inutile. Allez, on l'encourage. Pardonne-moi, Hunter. Je te laisse te reposer. Oh non, au contraire, c'est très intéressant. Agatha, attends. Bonne nuit. Agatha. Hunter, j'ouvre la porte. Mais d'ailleurs, pourquoi elle est fermée, cette porte ? Elle se ferme jamais. Où est-elle ? J'ai entendu que tu lui parlais. Calme-toi, oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis surprise que vous entendiez Agatha. Alors tu ne nies pas qu'elle est ici ? Pourquoi il faut mentir ? Pourquoi est-ce que je mentirais ? Et d'autant plus à vous. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? À moi ou à Caretaker ? Ça aurait été cruel pour chacune d'entre vous. Parce que tu crois que ça ne l'est pas, ça ? L'esprit d'Agatha est toujours parmi nous. Nous venons seulement d'apprendre que vous l'entendez aussi. Alors pourquoi est-ce que vous m'en voulez ? Je lui en parlerai la prochaine fois que je la verrai. J'espère que nous pourrons alors en discuter ensemble. Oh, très bien. Je te fais confiance, Hunter. Bonne nuit. C'est la gentillesse même en ce moment. Allez, on va se recoucher, hein. En tout cas, on a réussi. Bon, on est dans un vrai bourbier, un massacre, quelque chose de lamentable. Plus ça va... On va de mal en pis, hein, au bout d'un moment. On va essayer quand même de retourner la situation de notre côté. C'est au moment où l'ennemi sera le plus fort qui sera le plus vulnérable. Vous connaissez la tactique, hein. C'est le moment où il se déconcentre et nous, on met toute notre force... pour réussir. Tu ensemble à Madripour. Vous voulez parler de la fois où on a affronté un robot géant. Le petit câlin, ça fait un moment. Que je n'avais pas vu Charlie d'ailleurs. Va falloir être plus précis que ça. Des robots géants, j'en ai combattu beaucoup. C'est tout ce Et voilà. Super, merci Hunter. Une petite quête. J'arrive toujours pas à y croire. De quoi tu parles, Robbie ?
J'arrive pas à croire que notre plan a échoué. Eh ben moi, ça m'étonne pas. J'ai beau avoir balancé une tonne de gravats sur Lilith, elle a quand même réussi à lire cette foutue page. Elle a la tête dure. C'est vrai, elle a la tête. Tu as raison. Ce qui est fait, ça sert à rien de ressasser nos erreurs. Il faut aller de l'avant. Tu penses en être capable, Ruby? J'ai pas vraiment le choix, je crois. On trouvera un autre moyen de la vaincre, je te le promets. Vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que les Avengers et les Midnight Sun arrêtent de penser que c'est des clans et qu'ils travaillent en équipe. Parce que déjà, elle est beaucoup trop performante, Lilith. C'est bon, on a compris. Allez, cette fois on va y arriver. Et juste avant de conclure l'épisode, deux petits scénarios spéciaux qui peuvent être très très intéressants. Bonaziwa. Votre magie nous serait d'un grand secours. Hop. Je ne sais pas ce que je ferais sans des amis comme toi. Ça c'est gratuit. C'est la première fois que je reviens ici depuis... Eh bien, depuis que j'ai dû quitter l'abbaye. Et alors? Pour des raisons évidentes, je pense à Agatha. J'ai du mal à imaginer le fardeau que doit représenter ce genre de secret. Bien sûr, j'aimerais en savoir plus, mais je suis sûre que tu fais tout ton possible. Ça n'a pas été simple. Et je ne veux pas rendre ce poids plus lourd. Oh, j'ignore ce que je m'attendais à trouver ici. Des livres, en général. Très amusant. Agatha et moi, on passait tellement de temps ici que je pensais ressentir... Je sais pas, n'importe quoi. Mais pas cet immense... vide. Je commence à me sentir coupable de ne pas me sentir coupable. Si vous voulez en parler, je suis là. Merci, mais je ne voudrais pas te distraire de tes obligations. Tu as déjà beaucoup à penser. Ça ne me dérange pas. Je sais, mais j'aimerais réussir à mettre des mots sur mes émotions avant d'en discuter. Si ton offre est toujours valable plus tard, ce sera avec plaisir. Je comprends. Bien, je vais retourner à mes recherches. Ok, point 1, Agatha derrière. Agatha, tu as une minute? Oui, Ender. Pourquoi est-ce qu'on chuchote, au fait? Rejoins-moi dans ma chambre. Il faut qu'on parle. Très bien. Téléportation. Que se passe-t-il? Wanda est au courant de ta présence. Elle nous a entendu discuter la nuit dernière. Vraiment? Elle m'a ordonné de lui dire où tu étais. Et qu'as-tu répondu? Je n'ai pas eu le cœur de lui mentir. Pas à ton sujet. Je suis heureuse que tu ne l'aies pas fait. Si Wanda m'a entendu, alors ça change tout. Est-ce qu'on devrait lui dire la vérité? Oui, ce soir. Je viendrai te chercher quand tu rentreras de mission. Et voilà que je sème à nouveau le trouble. Comme au bon vieux temps. Voilà. Donc la prochaine mission va s'annoncer difficile, encore une fois. Remplie de scénarios, bien entendu. On va voir si on arrive à relever la situation. C'est compliqué. Le groupe, ben, pour le moment, depuis vraiment le début de l'histoire, on contrôle très très peu de choses. On ne prend rien. On ne fait que perdre. On a gagné, je crois, 2 batailles. On a récupéré Wanda, quand même. Ce qui est quand même... enfin... La sorcière rouge. Ce qui est, oui, c'est ça, c'était Wanda. Ce qui est déjà pas mal. L'arrivée, quand même, de Wolverine nous a quand même grandement aidé. Spider-Man également. Ça, ce sont les héros quand ils nous ont rendus. Ils nous ont rejoints. Mais ils ne travaillent pas du tout en équipe. Et le problème numéro 1 est là. C'est toujours Avenger et Midnight Sun de leur côté. Et le moment où je pense que ça va commencer à travailler vraiment en équipe, il va se passer quelque chose de plutôt bon, à mon avis. C'est le seul moyen d'arriver à affronter Lilith. Et ça, c'est pour la suite du Let's Play. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment. Je vous fais des bisous. On se dit à très très vite pour la suite du contenu. C'est du bon, ce Marvel. Un vrai régal. À très très vite.